Salut tout le monde, c'est Camille pour le troisième épisode de Assassin's Creed 4 Black Flag. Allez, on a un pas loin, non, c'est ça? On en a un juste à côté, on y va. Bon, on va commencer par un truc soft, histoire que je me remette en jambe. Oui, parce que ça fait une semaine en gros que j'ai pas touché, donc j'ai pas eu le temps de m'y faire et voilà, j'ai pas eu le temps de m'y faire. J'ai l'impression de laguer alors que je suis à 60 fps saturé quoi, donc c'est bizarre. C'est quoi la touche? C'est celle-là, c'est pas celle-là, c'est Y, c'est pas Y, c'est B. Ah, c'est écrit en haut à droite en plus, putain le con. Je commence difficilement, ouais. C'est quoi, c'est un peu latin, je trouve le son. Ok, nous en avons fait un. Ah bah qu'on avait déjà fait en fait. Putain. Bon, on sera remonté. D'accord, parce que ça nous met quand même les alertes. Enfin, ça nous met quand même les toits, même quand on les a déjà fait. Libérer les pirates. On va essayer de passer par au-dessus. Ça va être plus sympa par au-dessus, non? Enfin, c'est vraiment au-dessus là. J'ai pris l'endroit le plus haut. Par contre. Ah bah voilà! Merci! Kenway, c'est ça? Ouais, je suis ça. Avec toi! C'est cool, je me souviens plus comment on combat par contre. Oh, je vais peut-être le fouiller quand même. 8. Ah mais il en a buté. Oh, il en a buté 2 le coquin. Ah, il était bon lui. Bon, je pense qu'un de ces cas, je me ferai une grosse session Assassin's Creed parce que. Allez, vas-y, parce que c'est chiant de passer par la route. Bon, toujours les mêmes soucis de gameplay que par rapport aux 3, je trouve. Bon, on aura commencé l'épisode bien. Pas un truc qu'il fallait pas faire. Oh. J'ai hésité en fait à prendre le truc. C'est bon, n'aie pas peur, ma fille. Je pousse seulement. Ouf. Donc là, ah oui, on est, c'est à la, je sais plus, à la Havane, non? Désolé d'être parti si vite, on m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins maldade, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Mon ami. Ok, bon ça va, la vision d'aigle on connaît. Ceux qui veulent lire. Hein. Ça ne vous gêne pas de suivre, Duncan. Pas tant que tu tais que personne ne te voit. C'est mélapide ça aussi. Allez, on recrute. Bonnette. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repéré. Reste derrière. Oh, nous devrions peut-être nous séparer pour les tromper. Ça, c'est ta meilleure idée de la journée. C'est bon, j'ai des filles avec moi. Ah, les filles, c'est pratique. Hein. On va accélérer la marche quand même. Bonjour, messieurs. Vous êtes en retard. Oui, monsieur. Oui. Nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardés.
de pescado para estofado. Caulis nostras un loca un dexinerum. Vous parlez du capitaine Mendoza? Oui, il est impatient de faire votre connaissance. LB. Il doit d'abord assister à une pendaison. Une pendaison? J'adore les pendaisons. Oh, quelle diversion, les filles. Monsieur, quand nous entendrons la cloche, nous pourrons y aller. Ah, ok. Donc, tant que je les vois, ça va. Ils sont bloqués là, faudrait que je retrouve des filles ou des mecs, mais un groupe. C'est Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. Du sucre, espèce d'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Il y a un coffre en dessous, donc c'est pas grave. La cloche, seigneur! La pendaison va bientôt commencer! Eh bien, ne traînons pas! Oui, monsieur, suivez-moi! Bon, on a fait ça doucement au début. Bon, bah, ça va pour l'instant. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait, sérieux? Allez, grimpe! Yes! Par contre, t'as besoin un peu vite d'aller le train là. C'est bon. Nous y sommes presque! Bon, bah, on va y aller en bas. Hein. Je vais recruter. Je peux te recruter comme ça. Et au cas où j'ai besoin des filles, je les garde. Putain! Bon, les filles, je les ai perdues. Ouf. Combien de temps va prendre cette pendaison? Pas l'intention d'attendre. Il sera bientôt fini. Voilà. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendu, il vous versera votre argent. Bon, ça nous aura coûté un petit peu de thune, mais de toute façon, la thune, j'espère qu'il ne compte pas me payer en réales. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Oui, bah, il y aura du sucre. Si, nous avons saisi une belle quantité de sucre. La nuit dernière, à un gros anglais. Un anglais? Si, du sucre des barbades, de bonne qualité. Nous l'en proposons au Castille. Son propriétaire a provoqué une rixe la nuit dernière. Il a fui en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo? Non, monsieur, non. Je pense que le capitaine Mendoza vous le fera livrer. Oui, c'est certain. Par tous les dieux, cette grande brute est le capitaine Mendoza. Non, monsieur, ça c'est El Tiburón, l'homme de main du gouverneur Torres. Ah, je suis le capitaine. J'ai déjà des filles, par contre, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Bon, on va faire un pas avant, un pas accéléré. Ouais, je pense que j'ai des filles aussi ici. C'est pas mal d'avoir un groupe de filles. Pourquoi j'en ai que 3? Je crois que j'en avais 4. Bon, il y a peut-être une qui a c'est pas le palier, je ne sais pas. À vous de jouer. Je vais juste profiter. Je vais recruter. Adelante. Allez, les filles.
Restez là. Suivez-moi. Voilà. Faufilez-vous jusqu'à l'entrepôt du fort. On va se faufiler avec les filles. Je peux looter? J'ai un truc à looter. Pardon les filles. Voilà, vous m'aurez rien coûté. Hein. Deux coffres à la Havane. C'est ça, on est à la Havane. On va faire une diversion. Occupez-la. Voilà. Et donc là, ça pue. Il faut que je trouve un endroit pour grimper. C'est bon, tu m'as vu, mais tu fais pas gaffe à moi, c'est ça? Est-ce que si je peux te tuer? Alors, faudra que je grimpe en plus. Parce que là, je suis dans le fort, j'aurais pu passer à l'extérieur. Voilà, rien de gagné. Tu ne me vois plus. Tu ne me vois plus, j'ai dit. D'accord, je ne suis pas anonyme. Ah! Yes! Eh, sans déconner, j'étais bon là. D'accord. La zone. C'est de la flotte. C'est de la flotte. On va même pas se faire chier. On va se mettre après, on va juste récupérer là. J'ai récupéré ma carte. On s'en fout de ces marchandises. Allez, accélère. Une balle. Voilà. Tain, le pauvre. Le mec, en fait, on s'en sert trop. C'est notre laquais, quoi, presque. Mais en même temps, on lui a sauvé le cul. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu n'as pas essayé, surtout. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. Oh, j'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu! Quelle aventure ce serait! Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Mission accomplie. Ah, ne prenez pas part au combat. Pourquoi je suis... Ah, j'ai 100, oui, cool. Continuez. Yes. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut se faire en 5 minutes? On a... On peut aller au bout.
Elle est où la mission? Elle est là. Ah oui, elle est où en fait? C'est quoi ça? Contrat d'assassin, difficulté moyen. On va essayer un truc qui est pas trop loin. Magasin, acheter les améliorations. Nouveau champ pour votre équipage. On n'a pas d'équipage en fait. Contrat d'assassin, on va aller. Bon, on va aller là. On va voir ce que c'est que le contrat d'assassin. Passer par là. Il nous reste quand même 5 minutes. Hein. On a fait un quart, enfin un peu plus d'un quart. Allez, mobilette pleine balle. Il y en a plus près? Ouais, il y en a un plus près, mais il n'est pas spécialement bienvenu. On va le tenter quand même. B pour plaquer au sol votre cible. Ouais, on s'en fout un peu de ça. Ah, de trop. C'est déjà mieux. Que je peux grimper avec ça, pas du tout. Mais... Ah, ça grimpe pas là. Faudra que je rentre. Faudra que je rentre et on va faire le bourrin. Okay. Ok, ouais. On va faire un petit peu de combat. Bon bah on va faire du combat. Ils m'ont perdu hein. Vas-y, on va en gagner deux. Aïe. Ah d'accord, d'accord. Ok, moi je voulais juste aller là-haut. Là j'ai bien mangé ma race. Ah, comment tu m'as raté? Oh non! Bon, les combats, je sais plus comment on fait. Ah, dis-moi que je repop pas loin. Je repop où? Bah, allez, vas-y, on va aller à celui-là, ça va être plus calme. J'ai visé complètement à côté. Puis, il a contraint l'assassin, je pense qu'on va peut-être même le faire pour un prochain épisode, du coup. Hey merde, c'est vrai, c'est volé ça. Bah, connais le foutu S. Comme au rugby. Dégage. Dégage, dégage. Mais quel est tox, vas-y. Bah, dégage. Je suis en train de pousser tout le monde. Je vais tomber sur un garde tout à l'heure. Ah, c'est là. Je peux passer là. D'accord. C'est pas mal, on peut même faire ça en diagonale. Ah, ils ont amélioré un truc quand même, ça me fait plaisir. J'aimerais bien être aussi agile que ça. T'sais. Alors, on va éviter de lancer une bombe. Alors je suis moins fan de ce côté espagnol, musique latine, je j'aime pas trop. C'est pas mon délire en fait. Il nous reste combien de temps? Une minute. On va faire un petit contre à l'assassin vite fait. Faut aller sur les toits, non? D'accord. Vous le tuez? Ah, interagir. J'aimais bien le, avec les pigeons. Ah, voilà. Refuser contrat, accepter contrat. Ne prenez pas part au combat. Récompense un officier corrompu ou les marchands des quartiers riches de la vanne et utilise l'argent ainsi obtenu pour financer. Ok. Je prends. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est là. D'accord. D'accord, bah vas-y, fais ça, je ne voulais pas. La ultime advertencia que
Ok, on va mettre la vision d'aigle. Moi, je l'ai cache trouvé. Pourquoi que je prenne pas au combat. Detente! Baila conmigo! Celebremoslo! Bon, est-ce qu'il va bouger ou pas ce sacré pan? Il y a des filles, hein. Il y a des filles. Voilà. Alors, on va faire tellement une belle diversion qu'on va direct l'assassiner. On va sortir de la zone. Alto, il m'a dit. Oh, c'était joli ça! Ah merde, j'ai pris part au combat. Tant pis. Bon, voilà, bah, ça va être un peu grillé. Oui, putain, il y a des gardes de partout! C'est quoi ce délire? Oh, ce temps! Super bien fait par contre, mais quand il pleut, il déconne pas sur la flotte. Hein. On passe de gros soleil à la flotte de haut. D'accord. Et c'est tout, je peux sauvegarder ou pas? Je réussis ou pas? C'est ma mission là. Contrat d'assassin, bah apparemment oui. J'ai dû réussir mon contrat d'assassin, je ne sais pas. Je l'ai buté. Bref, on va s'arrêter là-dessus, je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde!